cette rencontre entre sourds et entendants, nous l'avons rêvé. Et ça a été aussi une réussite professionnelle pour nos usagers. La surdité, c'est un handicap isolant et invisible. Et travailler, c'est communiquer. À la demande des entreprises, on a mis au point un atelier de sensibilisation à la langue des signes française destiné aux salariés entendants pour qu'ils puissent communiquer avec leurs collègues sourds. Cet atelier, c'est Café Silence. Motivation. Objectif. Réunion. Allez, on s'assouplit les doigts. Alors, on va commencer. L'alphabet. Écrivez H. I. La location, ça, c'est visual plus gestuel. La location, c'est pas universel. Bien voilà, on voit bien la tasse à café. Voilà, ensuite la cuillère dedans. Voilà, et le moulin à café. Donc après, vous tournez. Voilà, donc là, vous avez le signe café. Très bien. Il faut qu'on voit le café. Papa. Non. Face à face. C'est très visuel. Communiquer autrement. Rencontrer des gens différents. D'après ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est assez visuel, donc je pense qu'il y a une partie de mime qui peut aider. Articuler aussi, enfin moi j'avais toujours en tête que les sourds pouvaient lire sur les lèvres, donc améliorer aussi l'élocution, je pense que ça serait un moyen de communication. Ce n'est pas la peine d'articuler. Bon, articuler normalement et bien doucement, surtout. Comme possible, c'est possible. Ouais.